Lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, samedi, Moscou a échoué à faire adopter son projet de résolution visant à condamner les frappes occidentales en Syrie, plus la Russie a échoué. Lors d'un vote à l'ONU samedi 14 avril, à faire condamner les frappes de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis contre l'arsenal chimique en Syrie, dénonçant avec la plus grande fermeté l'attaque sur la Syrie, où les militaires russes aident le gouvernement légitime à lutter contre le terrorisme, Moscou avait demandé au Conseil de sécurité de l'ONU, samedi, de voter sur son projet de résolution condamnant l'agression occidentale contre la Syrie. La Russie a échoué à la faire adopter, ne recueillant pas les 9 voix nécessaires à son approbation. Seule la Russie, la Bolivie et la Chine ont voté en faveur de cette condamnation. 8 pays ont voté contre, et 4 se sont abstenus. Vos agressions aggravent la situation humanitaire en Syrie. Auparavant, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebensia, avait vivement dénoncé ces attaques aériennes américaines, françaises et britanniques. « Vos agressions aggravent la situation humanitaire en Syrie », a-t-il déclaré. « Vous n'êtes pas sorti du néocolonialisme », a-t-il également lancé, estimant que Washington, Londres et Paris avaient foulé au pied la charte de l'ONU. Le projet de résolution russe dénonçait la survenance des frappes occidentales, tout samedi, alors qu'une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, se trouve actuellement en Syrie. Elle cherche à réunir des éléments sur les attaques chimiques présumées du 7 avril à Douma dans la Ghouta orientale.